C'est moi. This is so creepy. Ok, donc qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, on a vraiment passé une excellente journée. On a visité Québec. Donc, pas on a visité Québec comme si j'ai fait le tour de Québec City. J'ai visité plus le Bas-Québec, si je ne suis pas en train de me tromper. Et donc, j'ai visité la Haute-Ville. Ma camarade qui est en train de me dire. Donc, j'ai visité la Haute-Ville du... Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Ok, donc j'ai visité la Haute-Ville ici à Québec City et c'était vraiment très beau. Il faisait super beau, la température était géniale. J'ai un peu essayé de vlogger, genre parler, mais je trouvais que, je sais pas si je vais inclure les clips, mais je trouvais juste que je faisais comme du blabla qui n'était pas très important. Ah, je suis vraiment essoufflée. C'est vraiment le pittoresque de la ville, c'est quelque chose qui est incroyable. Et j'ai mangé des glaces, comme d'hab. Coucou Ashley, je sais que tu es en train de faire des grimaces, parce que, mais bon, mais je mange aussi quand même. Et il fait beau, il fait beau. Juste une chaleur qui est juste ok. Mais ce que je veux juste dire, c'est que l'atmosphère et aussi l'ambiance dans la ville est vraiment géniale. Les gens sont assez... C'est juste une ville très pittoresque et agréable. Je ne saurais pas dire si les gens sont particulièrement sympas ici ou bien s'ils sont particulièrement particuliers en quelque chose. Je pense juste que c'est une ville normale où les gens ont leur quotidien et qu'il y a des gens qui viennent pour vivre. Comme je disais, les gens ne sont pas particulièrement particuliers dans quelque chose. C'est bien chacun son quotidien. Ma caméra s'est éteinte. En tout cas, vous voyez que je suis en train de faire un petit résumé de ce que je disais avant. Je me suis bien amusée. À la fin de la journée, on est parti regarder un film, Ant-Man et la guêpe. Ça s'est très bien passé. Donc, là, je suis déjà en train de me... Enfin, je suis prête pour aller au concert de Mewé ici à Québec. Donc, les prochains clips que vous allez voir, c'est les clips de nous là-bas dans le concert. Et puis, j'espère que vous allez bien aimer. Et pour les gens qui ne savent pas c'est qui Mewé, vous pouvez toujours aller sur Google et puis googler des classiques, quoi. Des fêtes africaines sans des musiques de Mewé, ça n'existe pas. Donc, vous allez connaître certaines de ses chansons, même si vous ne connaissez pas le nom de l'artiste forcément. En Côte d'Ivoire, vous allez avoir bien sûr cet honneur de voir sur cette scène se dégourdir ce monstre de la musique, cet empereur bien sûr de l'ambiance. On l'appelle tout simplement...